Si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez de qui je parle quand je dis shopping. C'est même pas si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, j'ai genre littéralement parlé d'elle récemment quand j'étais en train de faire mes vidéos sur Steven Universe. On a fait ensemble Shopigami, un Tumblr où des fois elle faisait des illustrations de ce que j'écrivais, des fois j'écrivais ce qu'elle avait dessiné et on a même fait des fan comics de Steven Universe et d'autres choses. On a fait plein de plans ensemble qui n'ont jamais abouti, mais on en a fait. Voilà, c'est pour moi une amie précieuse et donc du coup aujourd'hui je vais faire une petite reaction vidéo. Ça va être vraiment petit hein, parce que en effet Shopee fait un webcomic qui s'intitule La clé de ton monde. C'est disponible sur Webtoon. Et Shopee, si je t'avais pas parlé de tes dernières pages, c'est parce que je voulais attendre que tu en aies sorti d'autres. Parce qu'il me semble, si je me souviens bien, que j'ai vu la première page en croquis, que tu me demandais comment ça rendait. Et donc, du coup, je me suis dit, je veux vraiment réagir, et du coup, je veux voir les premières des pages que je n'avais jamais vues. Et voilà, Shopee va sortir, du coup, une page tous les mardis, jusqu'à ce que soit fini, je sais pas comment ça marche. Donc comme je disais, ça s'intitule La clé de ton monde. Je mettrai le lien dans la description. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et oui, même si je suis amie avec Shopee, elle garde ses secrets. Donc voici la couverture, La clé de ton monde. Elle est super cette page de couverture. Je me souviens que Shopee avait galéré parce qu'elle savait pas où mettre tous les éléments. C'est qui est ce personnage? Qui est-il? Qui est-il? Je veux savoir. Je le vois juste sous son ombre et je l'aime déjà. Pourquoi? J'en sais rien. Regardez-le. Regardez-la. Regardez-elle. Mystérieux. Des doigts crochus. Une cape. Ok, ça, c'est très stylé. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, du coup je dis pas objectif. Il y a vraiment un côté très des clans, des villages, des trucs. Les drapeaux sont très stylés. C'est des corbeaux. J'adore les corbeaux. Okay. Là tout de suite, je spécule, ok? Mais je dirais que c'est une... Bon, après, le titre donne un petit peu... Le titre est méga stylé aussi! J'adore les glyphes et les symboles et le cercle là, ça rend trop bien! À vue de nez, tu vois, genre avec les bottes, le chapeau et tout ça. C'est soit d'un autre temps, soit c'est dans un univers un petit peu steampunk. Et du coup, elle avec ses vêtements... Tout de suite, eh ben, il y a vraiment un côté, bien pas de ce monde quoi, il y a vraiment un décalage entre deux. Est-ce qu'il y aura une romance entre deux? Et du coup, il va falloir que je crée cette clé. On va devoir en faire des goodies. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Shopee, la créatrice, auteure de cette histoire. Un petit mot avant que je publie, je suis trop contente de vous partager mon premier webcomic. Elle est beaucoup trop chou. Parenthèse, j'adore cet outfit. Je suis super contente et j'espère que ça vous plaira. Je publierai une page tous les mardis. C'est un personnage d'Animal Crossing. J'aurais voulu en publier deux pages par semaine, seulement ça n'est pas possible. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Elle est trop chou. Suivez-moi sur Instagram, YouTube et j'allais dire fanfiction.net. Regardez-moi cet outfit! Page 1! J'ai hypé! Oh, c'est la page que j'ai vue! Oh! Mais c'est le menu de la couverture! Mais c'est le menu de la couverture sur le même chapeau! Père, où vas-tu? Non, attends, c'est un tout petit bébé! Père, où vas-tu? Là, je vais devoir faire une voix masculine. Je vais en ville, je rentrerai avant la nuit! D'accord, bonne journée! Elle a été adoptée? Ou alors? Non! C'est stupide ce que je viens de dire. Parce que bon, elle est à moitié loup ou à moitié chien. Mais tiens, un bébé. Et lui, il a pas l'air d'être à moitié animal. La clé de ton monde. Merci d'avoir lu. Non. Oh, j'ai des marinières. Je pourrais faire un cosplay de ce personnage. Même si techniquement, je ressemblerais absolument pas à ce personnage. Et voici la page 2. Donc une page que je n'ai jamais lue. Je me suis hypée pour une page. Est-ce que c'est pas terrible de se dire que je vais lire ça en à peine une ou deux secondes et que ça lui a probablement mis des mois de travail. Il y a eu une fois, je me plaignais du travail que c'était comme t'es auteur, que les gens lisent ça en moins d'une semaine. Mais les auteurs de BD, ça doit être encore plus frustrant. Hé, Sœurette, on prend le goûter, viens te joindre à nous. J'ai fait des biscuits. Je l'aime. Je ne sais absolument pas qui c'est, mais je l'aime. Alors? Ils sont très bons. Merci. Je l'aime. Il sait cuisiner. Il sait faire des cookies. Mais ils ne sont pas comme ceux de maman.
Oh, well done, girl! Tu sais absolument comment faire pour casser l'ambiance. Boum, la clé tombe. Merci d'avoir lu. Je t'en prie, Chopi. Bah, moi, je veux savoir la suite. Chopi, félicitations pour le lancement de ton webcomic. J'espère qu'il va marcher. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite et je suis très fière de toi. Et allez lire la clé de ton monde. Ça a l'air chouette.